Merci Jean-François. Bien maintenant, la parole est à la salle. Il y a une question là à droite, une au fond. Oui. Bonjour. On me demande de me soumettre à la vidéoprotection, je me le soumets bien volontiers. Bonjour à tous, Mathieu Singier, je suis élu dans le 12e arrondissement, donc dans l'équipe de Valérie Montandon. Et j'ai une question donc sur la salle de shoot, puisque effectivement c'est une question compliquée et qui relève aussi de la loi, puisque avant les années 70, on dépendait d'une loi de 1916 où il était permis de consommer, enfin la répression de la consommation des stupéfiants n'était faite que lorsque le stupéfiant était consommé dans la société. Chez soi, il n'y avait pas de problème. Entre-temps, l'héroïne est arrivée. Entre-temps, mai 68 est passé par là. Entre-temps, l'augmentation des consommations est devenue problématique. Le législateur est intervenu. Sauf que le législateur a distingué au niveau de l'usager. Enfin, l'usager est devenu à la fois un délinquant et à la fois un patient. Et là, on a un vrai sujet parce que si les patients... Les médecins doivent s'en occuper. Aujourd'hui, les médecins, entre la sécurité sociale qui leur tombe dessus parce qu'ils prescrivent trop, et entre les désertifications médicales, ils n'ont pas le temps et la volonté de s'occuper des toxicomanes. Donc, c'est la raison de ces salles de shoot. On peut comprendre qu'il y ait ces salles de shoot. Maintenant, leur implantation pose problème. Je n'ai pas envie que l'expérimentation réussisse et qu'ensuite elle vienne dans toutes les gares, comme la gare de Lyon pour mon arrondissement. Donc, ma question, ce serait... Plutôt, est-ce que ce n'est pas au législateur d'intervenir ? Déborah Pavlik disait qu'il fallait effectivement accompagner ces toxicomanes. Effectivement, c'est des personnes en souffrance. La dépendance est une souffrance. Mais en même temps, la loi est là aussi pour accompagner parfois de manière un peu coercitive, pour, avec des obligations de soins. Est-ce que ce ne serait pas au législateur et donc le rôle des Républicains de proposer une législation pour améliorer ce système ? Je vous remercie. Merci. Déborah ? Oui, vous avez tout à fait raison, je ne sais pas où vous êtes parti, sur le constat, sur le très beau rappel de l'évolution législative sur la question. Moi, je vais aller beaucoup plus loin que vous sur le sujet. Je ne suis pas d'accord quand vous dites que ça peut être une expérimentation qui va réussir. Moi, j'y suis opposée sur le principe même de cette ouverture. Pas par idéologie, mais par simple pragmatisme, comme je l'ai exposé tout à l'heure. Il ne faut pas oublier par ailleurs qu'à partir du moment où on va ouvrir ces salles de shoot, on aura une dépénalisation de fait des drogues. Il est d'ailleurs bien précisé dans l'article 9 du projet de loi santé qui met en place l'expérimentation que les détenteurs de stupéfiants, dès lors qu'ils seront dans le périmètre de la salle de shoot, ne pourront pas être ni contrôlés ni appréhendés. Donc on arrive bien à l'instauration d'une zone de non-droit qui est encore entourée d'un véritable flou artistique puisque rien n'est précisé en la matière. On ne sait pas par exemple comment ça va se passer quand la personne va prendre les transports. Si elle sort du métro à Gare du Nord pour ensuite se rendre à la salle de shoot et qu'elle est contrôlée à Gare du Nord, qu'est-ce qui se passe ? Elle sera dans un périmètre qui sera un périmètre de proximité, mais pas exactement à côté de la salle de shoot. Moi, je ne sais pas ce qui se passe aujourd'hui là-dessus. Et eux-mêmes ne le savent pas pour le moment. Donc, mon opposition, elle est de principe. De toute façon, il ne peut pas y avoir ouverture de salle de shoot aujourd'hui. En tout cas, nous, on continuera, et je compte beaucoup là-dessus sur Frédéric pour qu'on porte ce combat, de manière à ce qu'il n'y ait pas d'ouverture de salle de shoot et surtout pas autour de la gare du Nord. Autre question, madame ? Oui, ma question concerne la sécurité, telle que j'ai pu constater qu'elle avait été renforcée lors du plan Vigipirate. Voilà. On a vu apparaître des militaires et des forces de l'ordre que je ne saurais pas désigner de façon précise, avec des armes impressionnantes. La seule chose, c'est que j'ai entendu que ces armes n'étaient pas dotées, enfin, que ces personnes n'avaient pas de munitions et n'avait pas le droit de tirer. Alors, je voudrais... Oui, j'entends les gens d'Urbaine. Je voudrais savoir ce qu'il en est précisément. Eh bien, même en ce qui concerne les policiers, donc vous avez des militaires. Je laisserai la parole à Jean-François. En ce qui concerne les policiers, qui sont soit des compagnies républicaines de sécurité, soit des policiers locaux, comme les deux qui étaient devant le siège des Républicains ce matin, ils sont armés. Ils sont armés d'un pistolet automatique individuel et ils ont également des pistolets mitrailleurs Beretta et ces armes sont approvisionnées avec des munitions
et ils ont le droit de tirer dans les conditions normales qui sont celles de la légitime défense. C'est-à-dire qu'ils pourront tirer pour se défendre s'ils étaient attaqués. En ce qui concerne les militaires, Jean-François ? Ben, il en va de même pour les militaires désormais, mais je ne sais pas où vous êtes, madame, hein, quand vous avez parlé. Au fond, là-bas, d'accord. À droite. Ah, voilà, pardon, je ne vous avais pas vu, vous étiez dans l'ombre. Mais comme je vous le disais tout à l'heure, on est sur une légitimité, en particulier en matière de légitime défense, qui est beaucoup plus floue pour les forces armées. C'est bien ce qui pose aujourd'hui le problème de l'emploi des forces sur le territoire français. Jusqu'à aujourd'hui, nous avons affaire à des soldats qui sont très solides, mentalement parlant, psychologiquement parlant, et qui, je crois que d'ailleurs c'est à Nice, hein, il y a quelques mois, ont réagi remarquablement alors que l'un d'entre eux était attaqué à coups de couteau. Mais c'est vrai qu'en termes de légalité, nous sommes dans une sorte de flou juridique qu'aujourd'hui encore, le gouvernement n'a pas réglé. Nous sommes dans le même dispositif que Frédéric rappelait, c'est-à-dire un dispositif de légitime défense, mais la notion de légitime défense pour un militaire n'a pas véritablement de sens, puisque vous le savez, quand ils sont en opération extérieure, ils répondent tout autant à la mission qu'ils leur est donnée, mais aussi aux lois qui régissent le pays dans lequel ils interviennent. Quand il y a encore un État qui régit des lois dans les pays dans lesquels ils interviennent. Donc on est exactement dans le même dispositif, avec du matériel beaucoup plus lourd, c'est du matériel de guerre, contrairement aux forces de police intérieures, donc avec, vous imaginez bien, en cas d'utilisation, des dégâts beaucoup plus importants. Quand la cible est touchée, tant mieux. Quand il y a des dégâts collatéraux, on peut imaginer ce que ça peut donner. Mais je tiens à dire encore une fois qu'au-delà de la problématique technique que vous souleviez, il faut rappeler la qualité de celles et ceux qui défendent notre territoire aujourd'hui, que ce soit les policiers ou que ce soit les soldats, dans un contexte, je vous l'ai dit, de grande tension sur les missions qui leur sont demandées. Un soldat aujourd'hui, il fait tout autant de l'opération Sentinelle, c'est-à-dire qu'il est devant un site sensible pour le défendre, mais quelques semaines plus tard, il peut être projeté au Sahel, en Jordanie, aux Émirats Arabes Unis, ou pour... Alors, dans une mesure bien moindre, bien sûr, nos pilotes, en tout cas l'armée de l'air, peut l'être également, mais on leur demande effectivement moins d'efforts, et surtout les forces terrestres qui sont sollicitées. Mais ils font les deux. C'est un choix du gouvernement. Aujourd'hui, le chef d'état-major de l'armée de terre accepte ce double engagement, mais je crains que, sur la durée, cela ne soit pas tenable. Pour toutes les raisons que j'ai évoquées, préparation, transformation, quand il s'agit de transformer des régiments, c'est-à-dire les faire progresser, mais aussi fatigue. Puis quand vous demandez à un soldat qui a une famille de partir sur plusieurs sites plusieurs fois par an, ça pose des problèmes, y compris des problèmes familiaux. Donc le type n'est pas bien dans sa tête et ça peut dégénérer. Donc on a un vrai souci aujourd'hui de doctrine d'emploi des forces, d'utilisation des armes de guerre sur le sol français, qui aujourd'hui ne sont pas réglées. Merci Jean-François. Une autre question ? Bon. Oui, là, vous, pardon, vous m'entendez. À propos de politique pénale, vous avez tous entendu ce que Mme Taubira, pour l'appeler par son nom, a suggéré qu'elle envisageait une escorte pour les permissionnaires de sortie. Il paraît que c'est inenvisageable, au moins aujourd'hui. Mais je vais vous apporter un témoignage personnel, historique. Il y a une vingtaine d'années, j'ai un neveu qui est mort tragiquement dans un accident de voiture. Et à ses obsèques, nous avons tous eu la surprise. Il n'avait pas que de bonnes fréquentations, de voir qu'un de ses camarades était présent avec deux gendarmes. Et c'était un petit délinquant, et ce n'était même pas pour un mort de sa famille. Donc, pourquoi ce qui était possible et courant il y a 20 ans n'est plus possible aujourd'hui ? Alors, en fait, d'abord, c'est toujours possible. C'est-à-dire que Mme Taubira réinvente quelque chose qui existe déjà. Mais il est impossible de faire encadrer la totalité des permissions de sortie. Et d'ailleurs, le sujet, ce n'est pas la permission de sortie. Le sujet, c'est à qui on la donne. Il n'est pas anormal qu'en fin de peine, des délinquants bénéficient de permissions de sortie à partir du moment où on pense qu'ils ne présentent pas de grands risques. Dans l'affaire qui a fait qu'il y a un policier qui a perdu la vie, nous avons quelqu'un qui est un multirécidiviste.
il a été arrêté 24 fois. Qui est un homme violent, il a été arrêté pour des vols à main armée. C'est un homme donc qui possède des armes, qui s'est radicalisé en prison. Et ça, l'administration pénitentiaire le sait. Et malgré tout, on lui donne une permission de sortie. Il ne réintègre pas, il s'évade donc, techniquement. Puis, il va monter sur un nouveau braquage. Et là, il sera amené, après un échange de coups de feu avec la police, à tuer un policier. C'est ça dont nous ne voulons pas. Bien sûr, il faut que les gens puissent avoir des permissions de sortie. Bien sûr, il faut qu'il y ait des aménagements de peine. Bien sûr, le cas échéant, pour aller enterrer son père ou sa mère si quelqu'un est dangereux, eh bien, ma foi, on peut lui donner une permission de sortie et le faire garder. Mais fondamentalement, ce dont nous ne voulons plus, c'est que des gens dangereux sortent et fassent prendre des risques complètement irrationnels aux citoyens, aux policiers et aux gendarmes. Une autre question, peut-être une dernière question d'ailleurs. Maurice Leblanc, je suis du 10e arrondissement, donc concerné par la salle de shoot, bien entendu, et la propreté, parce qu'ils vont avec. Notre maire est très favorable à cette initiative. Or, ne trouvez-vous pas que pour les consommateurs, il faudrait plutôt les soigner, parce que je considère qu'ils sont dépendants, donc malades, relèvent plus de la médecine. Et ce qui est très important, ne croyez-vous pas qu'il faut lutter d'abord contre les trafiquants, contre les dealers, en passant du plus haut et du plus bas? Et j'ai été très surpris d'apprendre que le Sénat, dans lequel nous sommes majoritaires, avait voté une expérimentation sur ces châles de shoot. En ce qui concerne la sécurité, ne croyez-vous pas que tant qu'il n'y aura pas de réponse pénale, tant qu'il n'y aura pas une justice qui cautionne la merveilleuse chose que font nos forces, on ne pourra pas être dissuasif. Et pour cela, ne faudrait-il pas que les parquets poursuivent systématiquement et que les juges appliquent le code pénal? Merci. Merci, monsieur. C'est plus d'ailleurs un témoignage, une question, puisque vous le savez, nous l'avons dit et redit régulièrement, tout à fait opposés à l'ouverture de la salle de shoot. Mais merci pour votre témoignage. Une autre question? Oui, au deuxième rang, là. Merci, bonjour. Nadia Amour, secrétaire nationale à l'intégration. Je voulais poser une question à Hugues, dont l'exposé a été très pertinent et très riche. Donc, vous parliez de guerre totale que les barbares nous ont déclarée et que, de ce fait, nous devrions nous aussi être davantage mobilisés. Alors, certes, notre police doit être mobilisée et doit aussi disposer de tous les moyens humains et financiers nécessaires. Mais je pense aussi que la société civile et, en l'occurrence, les représentants de l'islam de France aujourd'hui doit aussi se poser des questions et doit aussi prendre ses responsabilités, dans le sens où aujourd'hui, on a une instance qui est plus ou moins représentative, qui est le CFCM, qui a été vidée de sa substance par la gauche. Je pense qu'il est vraiment urgent que cette instance soit productrice d'un contre-discours qui vient en fait en contradiction avec tous ces discours de haine et de violence qui sont véhiculés par les islamistes. Et rien encore aujourd'hui n'a été fait. Alors, je suis très attachée à la laïcité, et donc à la séparation entre l'Église et la chose publique. Je me pose la question de savoir s'il n'est pas de la responsabilité aussi de l'État de faire une injonction avec des grosses guillemets hein, à ces représentants de l'islam de France pour justement contrer ce discours et prévenir peut-être le basculement de nos jeunes dans la radicalité. Alors aujourd'hui, il y a des sites internet, enfin il y a un site internet qui a été mis en place par le gouvernement Stop Jihadisme qui fait beaucoup rire. Je pense que c'est aussi de la responsabilité des musulmans de France de se mobiliser, de dire que non, l'islam, c'est pas ça. Et voilà, c'était une des questions que je me posais. Merci beaucoup. Oui, en quelques secondes simplement, vous avez raison. Alors, je crois que le problème, c'est que tant qu'on n'acceptera pas de dire qu'il y a un lien ténu entre
le terrorisme islamiste et l'islam radical, on n'arrivera pas à ce que vous souhaitez. Tout simplement parce qu'aujourd'hui, le discours des institutions religieuses et le discours du gouvernement, c'est de dire « le terrorisme islamiste n'a rien à voir avec l'islam ». Bien sûr que ça n'a rien à voir, mais il y a un lien quand même. Et tant qu'on n'arrive pas à identifier et à s'attaquer à ce lien, on n'arrivera pas à résoudre la question. Donc, il faut cesser de dire « ça n'a rien à voir », dire « c'est de la déviance, c'est de la perversion ». Mais moi, acteur de l'islam en France, j'ai une responsabilité et c'est à moi de mener le combat à mon niveau contre le radicalisme. Et à faire la chasse à cette passerelle que constitue le salafisme radical vers le terrorisme. Je crois que tous les groupes terroristes aujourd'hui sont des groupes salafistes. Voilà. Et en France, nous avons beaucoup de salafistes. Donc il faut bien évidemment les contrer. Et puis simplement, vous parlez d'Internet, j'en ai pour deux secondes. Moi, je crois que nous devons déployer des véritables moyens de guerre technologique, de la cyberguerre, pour contrer le terrorisme 2.0. Et on ne le fait pas aujourd'hui suffisamment. Merci. Je donne la parole au sénateur Charon qui voudrait dire quelques mots. Sur les salles de shoot et le Sénat, vous avez tout à fait raison. En commission des affaires sociales, nous, républicains, avons été mis en minorité avec Mme Joanneau et ses amis de l'UDI qui étaient pour l'expérience des salles de shoot dans la rue. Un amendement est donc passé faisant que les salles de shoot aillent au moins dans un hôpital à la Riboisière. Mais nous, le sénateur Dominati et moi-même, avons refusé, solidaires du Conseil de Paris et contre, à tout prix, les salles de shoot, de voter ce texte. Donc les titres, c'est vrai, sont réducteurs, à savoir le Sénat autorise à le shoot. C'est pas tout à fait ça. Autorise à l'hôpital. Mais même, nous sommes contre ça. Et Philippe Dominati et moi n'avons pas voté ce texte. Mais vous avez eu raison de le rappeler. Merci. Pierre Lelouch pour l'Assemblée nationale. Un point d'information aussi pour nos adhérents et pour tout le monde, c'est que effectivement il y a eu cet incident au Sénat. Je vais simplement dire qu'à l'Assemblée, on a été au contraire extraordinairement combatif et qu'on a tenu même des points de presse pour expliquer, en faisant venir d'ailleurs des victimes de ces expérimentations, parce que malheureusement, dans un certain nombre de pays, je pense à l'Espagne, à la Suisse, à Zurich, il y a des jardins publics qui ont été transformés en lieu de shoot public. On s'est aperçu que c'est catastrophique, y compris pour les addicts, hein, qui sont venus témoigner devant les journalistes à l'Assemblée nationale au mois d'avril l'année dernière, au moment où Mme Touraine présentait son projet de loi sur l'expérimentation. Donc, je sais que nos gars ont tenu au Sénat, mais nous, on a aussi beaucoup battu à l'Assemblée. Sachez-le. Merci, Pierre.